Ben, ça, c'est du lourd. Ah oui, vous avez 120 inscrits en amateur, vous en avez 30 en open world, et il y en a que 19 qui se pointent. Bravo, merci à vous. Grande médaille, ces Ils vont joueurs. marquer au moins, ils vont tous marquer au moins un point. C'est évident, ouais. Donc un championnat qui aussi s'est bien déroulé hein, dans l'ensemble. Ah oui. Dans l'ensemble, très très bien. Attention. Ah, on est un peu à la bourre aujourd'hui, désolé, c'est mauvais. Ouais, on a oublié la petite musique, les amis. Ah, on avait Et c'est tout parti, ils sont oublié, c'est voilà. Ru... Ah non, Ruben Kunder est de Interroute. Interroute devant. Attention, il est chaud bouillant. Ruben Kunder, Morgan Marley, Stanley Lebrun, Kellen Alors. Brewer, Alexis Van Brabant qui se casse la gueule. Sean Ogden, du coup, est passé. Sean qui nous a fait une très très belle saison. Kellen Brewer. Alors, Stanley Debrune, Morgan Marley, attention nos amis belges, c'est À plus quel le moment de endroit? bouffer une frite, faut y aller là. Allez les gars, c'est la dernière, on envoie le pâté. Alors, on sort les doigts du cul, on fait un truc, mais c'est parti. On nous offre. Ah, dis donc, cette semaine, il n'y a pas assez Denis qui est là. Ah si Alors, si, Denis il est là. était en supercross là, il y a la nuit dernière. Oui. En 2,50, hein, toujours aussi impressionnant, l'ami Denis. Ah, toujours Des... avec des scrubs dans tous les sens. Ah ouais, énorme. Et là, il va Donc, passer Ruben. À mon avis, il va le passer au freinage. qui est Non. devant, hein? C'est Unterroute. Stani qui est quatrième, Stani qui est bien parti, hein? Ah, Stani de mieux en mieux. D'ailleurs, on invite Stani à nous rejoindre Pour la fête. pour la fête. C'est le bordel, c'est la fête. Et D'ailleurs, Morgan Marley qui est en cinquième position, avec Sean Ogden derrière, qui vient de se l'en mettre une grosse. Jonas Nordi. Ah, Clix, dixième, bon départ de Clix. Owen Hillman, Alex Van Brabant, Brandon Henick, Kellen Brewer, Kellen qui a fait un mauvais départ, 14e position. Alors attends, hein, je suis pas avec toi là tout de suite. Jérémy Sauter qui a déco, je crois. Denis Schwesberg, donc, qui est en tête. Donc, à mon avis, d'ailleurs, on n'a pas Sean Ogden cette semaine, tiens. Si si. Il est là. Ah si 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 si. Ah, Sean Ogden justement, il est cinquième. Oh, il saute sur Morgan Marley, il s'écrase comme une crêpe par terre. c'est pas Sean Ogden, c'est Andrew Wood. Ah, Andrew Wood? Andrew Wood, oui, il n'est pas là. Pourquoi? Me demandez pas, j'en sais rien. Ah bah parce que pour lui, je pense qu'il... Bon, il n'y avait plus la première place. Là, on en est où d'ailleurs, mon ami, dans cette première place? Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Alors, on en est où? Au niveau du championnat. Championnat, Open World. Et on a Sean Ogden en tête. Du Ah, championnat devant Denise, devant Morgan Marley, devant Andrew Wood et Stani. Par contre, comme Andrew est pas là, Stani devrait être quatrième hein, à la avec... fin du championnat. Hein. Ah ouais, avec une manche en moins, Une il manche en a... moins, oui, il est devant Ruben qui a fait toutes les manches, lui par contre. Hein. Ruben, Rasmus Bender, Valtteri Tianen, etc. Donc nous avons toujours notre ami Dennis Fischberg en tête. Suivi de Unterroute, Stani qui est troisième, Ouais, Stani, Morgan, Morgan quatrième. Marley quatrième, les Belges sont Robin là en Kunder, force. 50. Robin Rosenvenge. Ah, c'est magnifique comme tu le prononces, vas-y, recommence-moi Oh, ça c'est s'il te plaît. taxant! Bientôt les États-Unis, les gars! Bientôt, bientôt, Sean Bientôt! Ogden qui est juste Oh, derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, on a Ruben Kulder. Jonas Nordli, Owen Hillman, Frédéric Vernecoven. Alors, si on commence par le. Normalement. Comme on doit, c'est MX477.com. Ah, tu veux faire de la pub? Fais de la pub, mon ami. David Thierrin, Tim Le Bigu et ça. Ah, Van Brabant qui vient d'en prendre une. Et attention, Kellen Brewer qui revient derrière. Et Brandon Henning, il y a une petite bataille là, à l'arrière. Ah, moi je suis.
Je suis décidé à suivre notre ami Fischberg. Ah, une 46.1 pour Fischberg. Oui, non, mais c'est pour ça. T'as qui t'as mis ? Ah, il rigole pas. Il est pas là pour rigoler, le Denis. Ah, il mange pas des pop-corn, lui. Ah non, il aime pas le pop-corn, de toute façon, c'est pour ça. Ouais. C'est tout pour se qualifier, pour gagner les manches, il a pas envie de les bouger. C'est clair et net. Alors cette nuit, tu te les gardes, tes pop-corn. Voilà, tu te les gardes, hein. Tu te les fous en l'eau, tu peux, Gerdo. Bon courage. Ah là là, trêve de plaisanterie. Donc, Denis, toujours en terre. Ouh, ouh là là. Denis, il s'en coupe une. T'es dans la merde. Rüster Route, juste derrière. Magnifique. Morgan Marley qui a passé du coup Stani. Allez, deux Belges, c'est la bagarre là, les Belges. Et celui qui va remporter le pot de frites de frites au fromage, qui c'est qui va l'avoir ? Alors, toujours Hinton Route, Morgan Marley, Stani Debrin, Sean Ogden un peu plus loin. Kulder. Septième position. Robin. Il est là, septième. Robin. Owen. Man, Jonas Norley, MX47.com, Frédéric Vantenkechoffen, David Carin. Arne Coven. Ah, c'est l'américain, tu vois. Ah, t'as essayé, t'as essayé. Ah, c'est difficile quand même. C'était bien essayé quand même, mais bon. On va rester en français. Hein. T'aurais essayé de le dire en Picard. Ouais, aussi en Picard, je peux le faire. Attends, Mago. Very good Beck qui est derrière. Wesley Wetzer, le toc. Il faut bien prononcer, tu vois, le Picard, c'est, ça se travaille. Ça se travaille. Alors, je vais te faire, justement, il y a un joueur qui a un nom, je vais te faire essayer en Picard. Niels Van Amrangen, Amerangen. Mais c'est quoi son vrai nom ? Bah, c'est ça, c'est Niels, il vient de s'en mettre une, et il est donc à la 17ème position, mais... Revenons à la devant de la course. Et oui, Denis suivi cette fois par Morgan Marley. Eh oui, attention Denis, un joueur sur ta droite. Et Stani toujours juste derrière Morgan, il n'a pas envie de laisser filer. Nos deux Belges qui ont refait une belle saison quand même. Hein. Ouais, ouais, une très belle saison. S'il continue comme ça, oui, ça risque de faire 3e et 4e. Magnifique, la... hein, le team mxsconcept.com, bien joué. Ouais, et puis ils organisent des courses, ils font des choses pour la communauté. Ils organisent des courses, vous pouvez aller voir justement sur mxsconcept.com, il y a le programme de tout ce qui vous attend chez notre ami Ponza. Alors Morgan, toujours avec Stani, après derrière Sean Ogden, mais qui revient fort par contre. Il y a 5 secondes de nos deux compères. Ah oui, il a roulé bien plus vite qu'eux. Dernière manche, dernier tour, désolé. Eh non, la manche n'est pas terminée. Nous sommes à 7 minutes de course, mon ami. C'est déjà beaucoup trop. Alors, Denis, qui est pas là pour rien, il n'est pas là pour enfiler des perles. Non. Donc voilà. Non, il prend de la. Il a envie de s'imposer. Tranquillement, et peut-être en super finale, hein, pour la dernière super finale. Oui, mais il va y avoir de la bataille, il y a du monde au balcon. Ah, il y a du monde. On verra. Est-ce que cette fois, Newbie sera peut-être mieux qu'en première manche ? Alors, Morgan, toujours Stani, Sean Ogden qui revient fort, Ruben Kulder qui est lâché maintenant. Alors, on va rester un peu sur la bagarre entre nos deux Belges et Sean Ogden. Ça sent la poudre, cette histoire. Nous avons perdu Dave. Non, je suis la course, là. Je regarde nos deux amis belges, là, qui sont... Je croyais que tu étais en train de nous faire un micro-coma, désolé. Non, je suis toujours présent. Je suis attentif à ce qui se passe sur cette course. C'est ce qu'il faut, c'est pour le moment, bon, ben voilà, hein, Fischberg devant... Pas grand suspense, bon voilà quoi. Sean Ogden qui va attaquer Morgan là. Hein. Moi je suis sur Stani qui enquille les tours. Belle amortie de Sean, justement, et voilà. Ouais, Morgan qui est là, qui attaque. Hein. Ouais, mais
vient d'attaquer Sean alors, à mon avis, c'est ça? Non, non, c'est Sean qui est en train d'attaquer Morgan. Oh, excuse-moi, autant pour moi, l'ami. C'est pas bien grave. Ah là, la puissance du 450 a parlé, hein. Ah oui, tout de suite. C'est beaucoup donc, plus Denis, compliqué c'est pour Sean. Alors Stani, qui prend un peu d'avance, mais 36 secondes quand même de retard sur Dennis Fischberg. Eh ouais. Ça annonce une belle saison pour lui. Il finit bien là la saison motocross et donc. Oui, il s'est bien habitué à la 450. Pour lui, ah, aussi, ouais, ça devrait bien se passer pour lui. Ah, il vient de s'en mettre une. Ah ben voilà. On a parlé un peu trop et paf, il est tombé. Denis. On va pas dire qu'on l'a fait exprès, mais presque. On est méchant, mais on aime ça. Non. Alors Stani toujours deuxième. Morgan. Sean Ogden. Les trois s'observent. Ils n'attaquent pas encore et Stani est tombé. Il amène avec lui Morgan. Eh ouais. Malheureusement. Et Sean a réussi à passer, lui. Et une terre route. Il est en sixième position, lui qui était bien parti. Oh, il y a un gars qui s'explose, mais alors, hein, sévère dans la descente, c'était magnifique. D'une beauté, mon ami. Est-ce que tu peux mettre, par contre, dans le chat, le channel du Twitch EMF? Je vois certains de nos amis français qui cherchent où vont regarder le stream. Alors on leur annonce le stream anglais, mais s'ils peuvent écouter le stream de Rigolo en français, c'est pas plus mal. Alors, mais ça comment, mon ami? Parce que je ne connais pas cette chaîne incroyable. Et ben, tu dormais que le stream est disponible sur twitch.tv/mxsemf. Attends, détends-toi. Ça va bien se passer. Oh là là. Ben Kulder, Stanley Lebrun, Morgan Marley, Sean Ogden. Ouais. Toujours Dennis. On va rester un peu collé sur Dennis. Les deux, les trois autres sont un peu en bagarre, mais bon. On n'a pas vu Dennis depuis un petit moment. Allez Dennis. Alors tu m'as dit la chaîne? Alors c'est twitch.tv/. Attends. .fr. TV. Il n'y a pas de point après TV. Hein. Non, non, c'est slash direct. MXSEMF. Twitch.tv. MXS. EMF. .fr. Je crois. On termine. Oh, 45-4, Dennis, magnifique le tour. Stani, toujours 2. Troisième, cette fois, Sean Ogden. Morgan Marley, 4. Ruben Kulder, qui a recollé avec toutes les conneries des autres. Qui est cinquième. Une tour route, par contre, et à la dérive. Suivi d'Owen Hillman, Kellen Brown. Morgan, quatrième, hein. Ouais, je regarde un peu plus et loin. Et Stani, deuxième, belle place de Stani, hein. Chapeau Stani. L'artiste. Ah, Stani, il est revenu en force sur cette fin de championnat. Il a loupé malheureusement une course, hein. C'est quand même dommage pour lui. Parce qu'il était vraiment à l'aise sur tous les tracks du championnat. Alors, 46 secondes d'avance pour Dennis. Ouais, ah là 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 là, qui tape un retardataire. Donc Stani, là, hein, il est à 47 secondes, allez, donc 13 minutes de course. Il faut juste qu'il maintienne le cap pour éviter de se faire passer par Morgan. Morgan n'a pas spécialement de place. Parce que Morgan ne peut pas prendre de place, de toute façon, ne peut pas en gagner. Donc, non. Stani ne peut pas... Ah si, Stani... peut battre Morgan, mais il faudrait vraiment que la deuxième manche Morgan soit bien plus loin que Stani.
Il y a 20 points d'écart, je crois. Effectivement, oui. Ben Kulber, Sean Ogden. Oh, ben justement, je parlais de Morgan, j'avais pas suivi qu'il était tombé, Morgan. Non, moi j'étais sur... Donc c'est Ruben, Sean Ogden, Morgan Marley, qui est donc à la cinquième position, et Hunter Root, sixième. Il est là, Hunter. Il est là. Alors, Dennis Fischberg, toujours en tête dans son neuvième tour. Il va prendre un tour, voilà, avec l'X. Si ce n'est le deuxième. Voilà, Denis. Tranquillement. Un Denis à l'entraînement, on dirait, hein, personne pour venir l'attaquer. Tranquille, pas de pression. Voilà. Il fait son petit truc. Il fait sa petite manche, il prend ses marques pour la prochaine et pour la super finale. Ouais, ouais, je pense que... Il sait que c'est pour lui, finale, de toute façon. C'est le plus à l'aise sur le track, là. Oh là, il se met une bonne glissade. Et il a bien récupéré. Hein. Ah ouais, ouais, effectivement. Ah, c'est sûr que si moi je me mets c'est la même glissade, normalement je suis encore en train de rouler, là. C'est une belle analyse que tu viens de nous faire. T'as vu ça? T'en as rêvé. Je te l'ai pris. Oh, j'en ai rêvé, c'était magnifique. T'as vu, t'en as pris plein les yeux, plein les oreilles. Ah ouais, même partout. Si t'en demandes, j'arrive. Ah ouais, alors, j'imagine bien. Toujours en tête, suivi de Stani. Stani est toujours là. Il tient le bon bout, Ruben Kulder. Ouais, Sean Ogden qui devient faire une glisse là. Et Morgan, il a 9 secondes, est un peu loin quand même. Hein. Morgan, il faut plus de gamelles de Sean Ogden. On va parler un peu de Sean Ogden. Il devrait arriver à tomber. Winter Root. Kellen Brewer. Ouh, Kellen Brewer a pris carrément un wagon. Hein. Il passe à peine l'arrivée là. Ah. Là, il est un peu seul au monde. Alors, Ruben Kulder, Stani. Et toujours. Eh ben, d'ailleurs, Ruben Kulder devrait prendre un tour là, dans ce tour-là, par Dennis. Parce que Dennis vient juste de passer l'arrivée lui aussi. Stani a 42 secondes. Ruben Kulder qui est qu'à 2 secondes hein, seulement de Stani. Il ne faut pas que Stani fasse d'erreur. Parce que sinon. Ça va être chaud. Hein. Ah, c'est la fête du slip, quoi. Faut pas, c'est pas le moment de faire le con. Non. La frite est pas loin, Stani. Et notre ami Morgan, il en est où? Morgan. Est-ce qu'on a perdu Morgan? Il est cinquième, Morgan. Ah. Stani, ouais, c'est bon, ça devrait être bon quand même pour Stani. Ruben s'est écrasé juste avant de passer l'arrivée. Et d'ailleurs, Sean Ogden revient sur Ruben. Et Morgan, c'est vrai qu'il est bien plus loin quand même. Ah, il est plus loin, ouais. Il a perdu pied sur cette fin de manche. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est souvent Ruben hein, qui lâche en fin de manche. Et là, du coup, on a inversé les rôles. Eh oui, Morgan c'est Stani toujours deuxième, hein. Stani, il garde bien son rang. Il est chaud bouillant. Ah, c'est ça, une bonne fricadelle avant. Ah, une bonne bière. Une bonne bière et des petites frites au fromage. C'est... Ah, attention à toi Stani, il y a un petit gars là qui est qui s'est bien écarté. Bien joué de sa part, il l'a vu. Et voilà, yes. Notre ami Dennis qui remporte cette manche assez largement. Pour lui, ça a été assez simple. Une promenade de santé. Hey. Stani, tranquille aussi. Ah, Stani, faut pas vraiment qu'il fasse trop d'erreurs parce que là. Ruben, il est à 17 secondes, mais... Voilà, 17 secondes, pour moi, ça semble quand même énorme. À 3 virages de l'arrivée, je vois mal Stani. Là, ça y est. Hein. Et, hein. Il a déjà le goût des frites dans les naseaux, là. Oh là là, oui. Et voilà, ça va se terminer pour Stani. Bien joué, ouais, Stani. Et belle course. C'était propre, belle course. Morgan qui fera 3, hein. Ah oui, j'ai pas vu, et voilà, du coup, ben, c'est Ruben, hein, il nous a fait mentir Ruben, il a bien, bel et bien craqué à la fin, dans le dernier tour.
Et voilà, notre autre Belge qui est là, deux Belges sur le podium. Et voilà, ce soir c'est la fête des frites et de la bière. Ruben Kilder qui arrive juste derrière. Sean Ogden, belle... Sean Ogden pas au mieux hein, sur cette manche. Eh non, c'est ce que je vois. Hein. Une carte route qui va arriver. Vas-y, continue, t'as qu'à en foutre partout, on ne dira rien. Donc voilà, hein. Donc cette manche remportée par Denis Spitzberg. Assez largement. De Bruyne, Morgan Marley, Ruben Kulder, Sean Ogden, Hunter Root. Kellen Brouwer. Owen Wilman. Klicks. Frédéric Van den Kloeven. Van den Kloeven. Robin. Comment ? Je suis décidé par lui, mais j'arrive pas à le faire. Robin comment ? Rosenvinge. Rosenvinge. Ça, je... Jonas Nordli, Brandon Henink, nouveau pilote, justement, Easy Racing pour la saison prochaine. D'accord. Alexis Van Brabant et Niels... Van Amerongen. Non, non, je fais pas du braille, c'est Amerongen. Ouais. Voilà. Bien joué. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure, dans quelques instants, on va assister à la deuxième manche de l'Open France, où tout à l'heure, on a eu vraiment une magnifique, magnifique course. Ah oui, espérons que la prochaine soit de même. Ouais, voilà. Donc, on vous dit à de suite. À de suite.